chalet. Donc c'est plus des cailloux là, il faut faire gaffe. Quand on pilote là-dedans, parce que ça a plus tendance à... déraper, il est bon, ça va tranquille. Hein. Merde. Bon, ben tant pis, allez. Donc, ouais, on est quand même dans du gravier là tout le long, donc il faut faire gaffe hein, de ne pas aller déraper. Ah mais vous voyez là, pour faire des randos c'est cool. Bonjour, merci. Trois dames, c'est sympa. Moi j'aime bien ce genre de chemin. Hein. Bon après c'est bien quand il y a un peu de technique aussi, hein, bien sûr, hein. Ça va de soi. Les TT c'est quand même bien quand on est en technique. Qu'est-ce que je choisis là? On va aller là. Ah là, putain, des racines. Allez, racines des arbres là. Il faut y faire gaffe. Voilà, ça c'est du beau petit. Là, j'ai plein de possibilités. Hein. Donc c'est cool. Voilà, hein. Plutôt pas mal hein, le truc. Super, super. Moi, j'aime bien. Ben là-dedans on va doucement puis c'est tout hein. Oh non mais ça descend. Hop là. Génial. Ah. Là, faire gaffe. C'est de la terre là, c'est du. C'est pas terrible, hein. Oh. Les trous. Hop là. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà.
Génial. Ah, moi j'aime bien là. C'est génial. Cool. Bah, la VTT là, du coup, pour le coup, j'ai réglé ma fourche en mode souple. Hein, de manière à essayer d'amortir un maximum les chocs. Hop, là je vais prendre ce qu'il y a de bien quand je vais doucement comme ça, ça me permet de regarder bien les techniques de pilotage, les où je place ma roue, où je place, vous voyez, donc c'est plutôt sympa. Et là il faut embrouiller, oh putain de merde. Voilà. Bubbly. Super. Génial. Hop là. Hop. Hop. Ah, là j'arrive dans le gravier. Donc là. Allez, j'essaye de pas mettre le pied à terre, mais. Oh putain, ça y dérape là. Oh merde. Ah, pas une choix. Ah. Pas une choix. Vous voyez là, la petite pancarte qui nous dit qu'on est en. VTT. Et là, t'es sur un parcours VTT, mais il y a des voitures. C'est le gardien de chasse. C'est marqué chasse sur son truc, sa pancarte, c'est là. En vérité, c'est lui qui surveille là, les pêcheurs qu'elle a autour. Mais bon. Ah. Ah. Ouais, c'est cool que tu aies des petits trucs de technique comme ça. C'est super bien, moi. Donc là, eh ben, si je descends, ouais. Ah, je descends, non. Si je vais carrément à gauche, je vais dans des petits singles. Mais bon, ça, pour le moment, ça va, tranquille, hein, ça sert à rien de vouloir aller taper fort. Bon, écoute, j'aurais pu, parce qu'il sortait tout, il ressortait tout de suite là. Bon, ben. Voilà, hein. Ouais, c'est plutôt cool, parce que quand il y a des petits passages techniques, tout de suite derrière, vous pouvez récupérer sur des chemins comme ça pour un peu plus, déjà roulant et plus reposant, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Voilà, bah, là par contre obligé de descendre à pied, au moins sur ce morceau là. Parce que ça descend vraiment et c'est que du gravillon, donc je vais pas aller me morfler le citron. Donc voilà, allez, je remonte là.
Il n'y a pas beaucoup, mais le peu qu'il y a, j'ai pas très envie de. Voilà. Allez. Ouais, petit shingle. C'est pas mal là, c'est bien technique. C'est plutôt sympa. Mais voilà. Oula. Bon. Hop. Ouais, c'est cool. Ouais, petit. Ah bah là, on traverse une route en plus. Donc, il faut faire super gaffe. Hop. Ah cool, génial. Ouais, petit single là, sympa. Et vous entendez hein, quand je change les vitesses, on entend le bruit hein. Donc ça passe franchement super bien, donc c'est plutôt cool. Voilà. Bon, y a des, c'est pas terrible hein, le petit single là, mais il y a des petits. Il y a quelques petits passages qui sont plutôt à prendre avec des pincettes. Puis c'est les racines. Il y a plein de racines qui ressortent. Hop là. Oui, alors là je vais me prendre une. Ah, bon, ça va. Voilà, voilà. Donc c'est plutôt cool. Non, les passages sont bien là. C'est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Putain, je vais me faire griffer là, correctement par les ronces. Voilà. Oh putain. Ah, j'aime bien que ça tape un petit peu là. Ouais, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est bien cool, c'est super, c'est génial. En même temps, c'est une rando, donc je vais être tranquille. Hein, c'est ma petite rando à moi, perso. Donc voilà. Ouais. Ah. Oula. Oh putain. Il y a de la boue là. Hop. Je fais gaffe là-dedans parce que rester planté là-dedans, on va faire comme la dernière fois. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais la dernière fois, bon, c'était dans
dans une flaque de gravier. Je roulais et d'un coup, je suis resté planté. J'ai fait un soleil magistral, ce qui me vaut que j'ai mal au dos depuis une semaine. Eh oui. Oh, c'est bien cool là. Ah, super. Oh, génial. Ah, j'adore. Ah, j'adore. J'adore, c'est magnifique. Oh, putain. Ah, c'est super. Ouais, petit single là. Je sais pas d'où ça vient ces petits. Juste ces petits chemins comme ça fait. Que c'est juste le passage d'une roue. Hein. De vélo. Ah, c'est cool, j'aime bien moi. C'est sympa. Je serais pas étonné de rencontrer un animal par là, mais bon. Ah ben, tiens. Ah ben, un animal. Oh putain, il y a plein de. Il y en a plein, elles sont plusieurs. Oui, ma coquette, vas-y. Fais ta vie. Je ne veux pas te faire de mal. Il m'emmène où le chemin? Ah, je suis la petite pancarte. VTT. Ouais, il m'emmène là, donc. Tout va bien. Voilà. Allez. Hop. Ah, c'est cool là. Vous voyez? Ah putain, super! Franchement. Voilà, c'est pas technique, hein! Voilà, ouais! Mais, voilà, c'est sympa! Regardez, il m'emmène dans le petit sous-bois. Cool! Allez, allez! Vous voyez? Ah, c'est plutôt sympa, hein. Voilà, hein. On s'amuse. Des racines qui sortent là-dedans, truc de fou. Oh, planté. Putain, c'est pas vrai. Bon, c'est pas grave. Allez, on a le papier. Quand on est planté, un décor. Ah, ok. Génial.
Allez doucement dans ce genre de truc, surtout quand il y a du gros gabion comme ça. C'est un coup à se viander ça. Regardez comme c'est cool. Ah c'est génial. Ah j'adore. Oh putain. Ah ouais c'est... La roue elle bloque dedans et... voilà. Et là, on s'amuse, on rit. Ouais, je m'amuse, je ris. En même temps, je suis tout seul. Voilà. Mais c'est plutôt sympa. J'aime bien. Puis ça me permet de m'entraîner au pilotage. Ça me permet voilà, d'être. De pouvoir poser mes roues précisément où ça doit être posé. C'est pour ça, c'est sympa aussi d'y aller tranquillou. Bon, bah, c'est sûr que là, il n'y a pas besoin de. Oh, bah, ouais, d'accord. Les poubelles énormes là. Truc tout dégueulasse. Ah, bah, ouais. Putain. Non, moi, je comprends pas. Et, les bouteilles par terre en plastique. Oh, pas. Ah, les oiseaux. Ouais, j'ai la pancarte, le balisage VTT, donc ben, je suis le balisage VTT, et puis voilà, hein. Pas besoin de tirer des plans sur la camette. Oula, il y a un bel oiseau là. Parce que, oula, il est chouette. Je ne sais pas ce que c'est, je le vois de loin, pas de loin. Waouh, magnifique. Ah, c'est un rapace. Ah ben ouais. On va continuer tranquillement. Regardez un peu comme c'est chouette ces endroits là, moi j'aime bien. C'est sauvage, c'est chouette. Alors par contre c'est plein de gravier là. Faire super gaffe parce que on a vite fait de déraper et se retrouver au sol. Sinon donc là c'est roulant donc c'est bien voilà. Après c'est bien d'en avoir quelques-uns comme ça de passage mais le but du VTT, c'est quand même de se retrouver dans des... endroits... Il y a un petit peu de technique. Et puis dans le bois, quoi, surtout. Voilà, donc... mais voilà, on va pas... On va pas se plaindre. Donc ben, mon VTT, hein, franchement, j'en suis super content.
ça passe de partout. C'est franchement nickel. Après, quand on a... Après, bien sûr, hein, c'est une recherche pour la position, enfin le confort et tout ce qui s'ensuit. C'est une recherche constante, hein, puisque moi j'utilise en longue distance, en courte distance, en randonnée, bikepacking, enfin voilà. Donc, à chaque fois rechercher un maximum de confort, surtout en longue distance. Mais après, une fois qu'on a trouvé, il suffit de noter. Et puis on sait, enfin moi c'est ce que je fais, hein, pour ma part. Comme ça je sais exactement de quoi j'ai besoin, comment je me positionne, et voilà. Hein. On va passer par là. Mais sincèrement, rien à dire, quoi. C'est plutôt la classe. Le poste de pilotage, bah franchement, j'en suis assez satisfait. Donc tout va bien. Alors, là, ouais, je vais plutôt passer là, on passe le Cré, 1,5 km. C'est plutôt cool, hein. Mais des chemins comme ça, ouais, ça va bien un moment. Après, on cherche, enfin, je recherche plus. Mais voilà, on va pas là non plus. Ouais. Il y a du gravier, du caillou là, et c'est super épais. Hop, purée. Un coup à se viander. Dedans.
nous voilà. Je roule et puis je vois où j'atterris. Et voilà, hein, c'est pas... par contre, ouais, au niveau le passage de vitesse et le contrôle du vélo, franchement, rien à dire, hein. C'est parfait, c'est très bien. Après, bien sûr, hein, je suppose que le vélo a ses limites, hein, je ne peux pas non plus, je pense pas que je puisse aller dans des gros trucs, mais en même temps, hein, pas trop ce qui est recherché, donc voilà. Après, c'est bien d'avoir un peu des choses techniques, mais voilà, je vais pas chercher les gros trucs techniques. Puis après, bon, si jamais c'est vraiment trop compliqué, je descends du vélo, je pousse et puis je remonte sur le vélo plus loin, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Hein. En face, il y a un lièvre là-bas. Je sais pas si c'est un lièvre ou un oiseau. Oh, je suis trop loin pour y voir. Non, c'est un oiseau, ça. Ah, c'est un oiseau. C'était un oiseau. Mais c'est surtout pour avoir le chrono, donc je voulais voir combien de temps j'ai mis depuis ce matin que je suis parti jusqu'à maintenant. Donc là, ben, j'arrive à l'arrivée. De ma rando. Après, il me reste quelques kilomètres, mais c'est pour rentrer. C'est pour ça que je me fous. Moi aussi, c'est pour ça. Et voilà, et bien les amis, la randonnée s'achève ici.
Allez, ciao, ciao, bye bye, portez-vous bien. Peut-être une nouvelle vidéo demain. Je vais. Allez, bisous. Et bientôt à la fin de cette randonnée. Donc vous pouvez me suivre sur ma chaîne et par la même occasion vous abonner, c'est gratuit. Vous likez, un pouce en l'air ou un pouce en bas comme vous voulez, vous aurez le choix. Et n'hésitez pas à commenter. C'est ce qui fait vivre la chaîne, les commentaires. Comme vous avez pu le voir, ma chaîne ne parle pas que de VTT, ni que de gravel, ou que de camion. Ma chaîne parle de tout. Donc, vous avez le droit de venir m'y rejoindre. Je vois mal le truc là. Un chien d'un côté, les deux gondes de l'autre. Tiens ton chien plus court, cocotte. C'est toujours la même, hein. Chaque fois que je la vois, on peut être sûr. Oh, une fois, c'est toujours les mêmes. En fait, elles viennent sur ce chemin parce que c'est fréquenté, donc elles viennent juste se faire boire. Jamais elles courent, jamais rien du tout. Elles viennent promener leur chien. Alors c'est bien, c'est mon problème. Elles tiennent toute la place une fois déjà. J'avais discuté avec, et je leur avais dit, elle dit le chemin appartient à tout le monde. Bah oui, d'accord, mais t'es pas obligé de prendre toute la place, quoi. Et puis le chien un jour il va se faire écraser. Une fois c'était pareil sur la route, hein. C'est toujours les mêmes, hein. Pour ça que je les connais bien. Ah purée, truc de fou ça. Le chien il est pour rien, quoi. Il a rien demandé. Une fois un grand vélo, pareil, il était. Il est passé à côté d'elle, moi j'étais juste derrière, pas derrière, non. Enfin, passe à côté. Le chien qui sort, au même moment l'autre il se prend là dans l'aile, l'autre elle insultait parce qu'il s'est pris dans l'aile, bah ouais mais...
les gens ils se desserrent, c'est bien. Mais L2 là, à chaque fois. C'est vachement fréquenté en plus, donc pour faire super gaffe quoi. Voilà, voilà, et ben. Donc là, je longe le Rhône. Et puis après, ben, la randonnée s'arrêtera, quoi. Hein. Donc une super sortie, franchement. Le vélo répond bien à mes attentes. C'est exactement ce que je voulais. Donc tout va bien. C'est super fréquenté. Donc... Ouais, c'est passé les jeunes. Putain, on a fait perdre mon chrono. Hein. Ouais, je me suis foutu en chrono, je voudrais voir combien de temps j'ai mis pour faire tout ce bout. Donc voilà. Donc le chrono, j'ai mis sur le GPS. Hein, c'est... Bien sûr, le GPS, je m'en sers pas pour garder le chemin, parce que je le connais par cœur.